Monsieur Fugitora, pourquoi vous vendez votre épée sur le bon coin? Ah frère, c'est normal, le mec il est au Pôle emploi maintenant, c'est terminé. Eh c'est pareil que Rukugyo, ce mec là, il est terminé, il est finito, je te le dis clairement. Oh, à l'époque où il était à Dressrosa, il disait « Luffy, je veux pas de ta compassion, ça sert à rien, dis-moi pas le nom des attaques avant de les lancer. » Mais frère, il était pourri. Akainu, il a dit quoi? Il a dit « Tant que tu me ramènes pas la tête de Luffy, tu reviens pas. » C'est mort frérot, reviens pas, va au Pôle emploi direct, mais je rigole vraiment pas. Tu crois que tu vas réussir à battre Luffy maintenant qu'il est en guerre 5? C'est mort hein. Je vais essayer de me rattraper. Tu te rattraperas rien du tout, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas te rattraper. T'avais une chance, c'était à Marie-Joise. Tu l'as saisi ou tu l'as pas saisi? Ah, d'après ce que j'ai pu voir, t'as rien saisi du tout. Hein. Oui, mais je voulais pas détruire la Terre Sainte. Je m'en parle les steaks, frère. On en a rien à foutre. Le plus important, c'est quoi? C'est de protéger les Tenrubito. C'est ton rôle, toi. Lui, Garp, il a assumé, il a dit « Je veux pas de votre rang, je veux pas de votre titre, je veux pas devenir un amiral. » Parce qu'il savait qu'en faisant ça, il dépendrait directement des Tenrubito. Mais toi, tu fais le mytho. « Je me suis niqué les yeux pour pas voir la corruption de ce monde. » C'est nous, on n'a pas envie de te voir, frère. C'est nous, on n'a pas envie de te voir. Et comment t'as pas pu stopper Sabo et les autres membres de l'armée révolutionnaire alors que, je sais, ils sont forts, tout ça, tout ça. Mais tout là, les pro-amiraux qui disaient « Zoro ne battra jamais Fujitora, sache-le » Hey, il le battra, c'est fini là, Zoro il le détruit, je te dis. Et tu peux me dire « Ouais, il fait tomber des météorites, ouais, il fait ci, ça, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que tu peux détruire une île entière si tu veux, mais si t'es pas capable de détruire le mec, ça sert à rien du tout. Tu crois vraiment que maintenant Fujitora, tu crois vraiment qu'il est capable de battre Zoro actuellement? S'il arrive pas à battre Zoro, tu crois qu'il va réussir à battre Luffy? Et donc s'il bat pas Luffy, tu crois qu'Akainu va le pardonner? Akainu, il en a rien à foutre, Akainu. Hein. Akainu, il en a rien à foutre, hein. Il lui a dit, sinon tu reviens pas. Et il fait le mec genre en mode, ouais, je t'écoute pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et ce qui m'a fait rire, c'est quoi? C'est qu'Akainu, il a ordonné à Rukugyo de faire sortir Fujitora. Mais lui-même, il est au Pôle emploi, il est pourri. Lui-même, il est pourri. En termes de puissance, Doflamingo, il a dit quoi? Il a dit que Fujitora, il avait le même niveau que Rukugyo. Hey, j'ai envie de rigoler, moi tu me dis ça c'est bon, j'arrête ma carrière. Je t'ai dit, j'ai fait une vidéo sur Rukugyo, je sais pas si tu l'as vu, mais... Hey, ce mec là c'est hardcore, donc si on te compare à ce mec là, frérot, je sais pas, hein, trouve un autre métier. Hein. Moi je sais pas, je verrai Fujitora en mode coiffeur, tu vois. Fujitora, tu peux me faire un dégradé avec des bons contours? Allez, casse-toi de là, même un dégradé, c'est pas le faire. En fait, je parle ça parce que je suis vraiment frustré en fait, je suis vraiment frustré de voir que... Des personnages, et même moi j'ai jamais été pro-amiraux, tu vois, mais j'ai toujours kiffé quand même, j'ai reconnu la force des amiraux, tout ça, j'ai reconnu leur force. Mais le fait maintenant de savoir qu'ils ont plus de réel impact dans le manga, ils servent à quoi maintenant? Dis-moi, ils servent à quoi? Même Akainu il peut pas battre Luffy. Même Akainu il battra pas Luffy, je te dis la vérité. En plus le mec ça fait 2 ans, il est pépère, il a trouvé la planque, tu vois. Lui il remplit des trucs administratifs, mais il est plus dans le combat, il se tape plus, il donne juste les ordres, tu vois. Même Akainu, je le prends même plus au sérieux, hein, tu sais, quand il dit ouais, tu vas voir si tu reviens, allez, casse-toi de là. Maintenant, s'il se rebat contre Aokiji, je pense qu'Aokiji le foire. Parce qu'apparemment, il a rejoint l'équipage de Barbe Noire, tu vois. Donc, à mon avis, tu vois, là-bas, ça n'a pas dû être de tout repos. Il a pas dû se tourner les pouces comme Akainu le fait. Mais Fujitora, les gars, c'est vraiment une grande déception. Parce que je me suis dit, voilà, à la fin, on verra genre en mode à l'époque, tu vois. Je disais Luffy contre Akainu, Sanji contre Kizaru, tu sais, à l'époque, je pensais ça. Et genre, Zoro contre Fujitora. Mais la fin, Zoro il va le détruire, ce sera même pas marrant. En fait ça me fout les nerfs parce que ce fruit du démon là, j'aurais préféré qu'il donne limite à Zoro, tu vois. Tu donnes le fruit du... En plus il a le fruit du démon de malade les gars. C'est le fruit de la gravité, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En plus je voyais Doflamingo, il faisait le malin avec Fujitora. Mais je disais, mais ça le fout de Fujitora. De Doflamingo, qu'est-ce que tu fais le malade? Qu'est-ce que tu veux te taper contre Fujitora? Tu sais comme il faisait le malin. Après, comme il avait le titre de Shichibukai, je disais, il profite de son statut. Mais en fait, il profite de rien du tout. Shichibukai ou pas, je pense que Doflamingo, il en avait rien à foutre de Fujitora. Il a vraiment eu peur. Tu te rappelles à l'époque où il s'est battu contre Smoker Doflamingo et qu'il y avait Aokiji? Là, il avait vraiment peur, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment le symbole de la justice. Il représentait réellement quelque chose, tu vois. Il faisait vraiment peur. Mais si Barbe Blanche, là, il aurait essayé de sauver Ace et qu'à la place de Aokiji et Akainu, on aurait Fujitora à Rukugyu. Mais je te dis, Ace, il aurait été sauvé depuis longtemps, frère. Je te le dis clairement. Je suis vraiment dégoûté. Donc les pro-amiraux, je sais pas ce que tu vas me dire encore, je sais pas. Oui mais Yasuku, tu n'as pas vu perdre l'éveil de Fujitora. J'en ai rien à foutre moi de son éveil. Tu crois que c'est son éveil qui va l'aider contre Zoro? Tu crois que c'est son éveil qui va l'aider contre Kaido? Tu crois que son éveil va rien aider du tout? Il va juste être plus fort, ok. Mais ça va rien changer du tout.
Ça va rien changer du tout. Moi je te dis, hein, moi je vais faire, je crois, une tier list des fraudes de Swangin. Rukugyu, Big Mom. Je crois que je vais faire les gars, une, je vais parler des fraudes, je crois. Les fraudes dans One Piece. Vas-y, c'est bon. J'ai trouvé une idée. La prochaine vidéo, les fraudes dans One Piece. Parce que c'est pas possible, les gars, Comment tu peux faire ça? Comment tu peux mettre des personnages comme Fujitora et Rokugu sur un piédestal? Et je te parle à toi, le pro Amiro. Parce que je te fais des vidéos et je t'explique point par point que c'est fini, ça. Tu pouvais être pro Amiro à l'époque. T'étais insouciant, jeune et fougueux, on va dire, tu vois. Mais maintenant, c'est terminé. C'est terminé maintenant qu'on sait que c'est une fraude de fou. Moi, je t'ai dit, le fait que Doflamingo l'a dit. Et Doflamingo, c'est très mec qui sait beaucoup de choses. Il dit pas les trucs pour rien, je vois. Si il dit que Rokugu est mieux que Fujitora, eh ben les deux, ils doivent aller au Pôle emploi. C'est terminé. Change de filière, change de métier, frérot. En tout cas, voilà, c'était vraiment mon coup de gueule que je voulais passer concernant Fujitora, parce que je suis vraiment déçu du personnage. Le fait qu'à Marie-Joise, il a rien pu faire, ça m'a vraiment déçu. Le fait qu'on dit qu'il a le même niveau que Rokugu, ça m'a encore plus déçu, tu vois. Donc, frérot, vend tes katana sur le bon coin, ton katana sur le bon coin, et voilà. Deviens agent immobilier ou coiffeur, ou je sais pas. Ouvre un barbershop. Ouvre un barbershop, et tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, frérot, voilà, c'était mon coup de gueule. Donc voilà, je parle à toi là, le pro Amiro. Dis-moi dans l'espace de commentaires si t'es d'accord avec moi ou pas du tout. Comme ça, on va pouvoir débattre ensemble. Moi, en tout cas, je compte vraiment sur toi comme d'habitude. À t'abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche de notification pour ne rien reprocher des prochaines sorties. À me suivre sur tous les réseaux sociaux. À me suivre partout, frérot. Je compte vraiment sur toi. À me soutenir sur Tipeee, c'est vraiment important. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!